Добро пожаловать в мой канал. Des rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h sont attendues samedi, selon les préfectures du Finistère et du Morbihan. Dimanche, le vent se renforcera encore avant l'arrivée lundi de la tempête Carmen dont on ne connaît pas encore la trajectoire. Le Monde 30, 12, 2017 à midi, la façade atlantique sera le plus exposée. Des risques de vagues et submersion au moment de la pleine mer se rajouteront au vent fort sur le littoral, les prévisionnistes restent prudents sur la trajectoire éventuelle de la tempête. Elle pourrait toucher l'Irlande, l'Espagne ou la France en premier. En revanche, en termes de vent, si elle se confirme, il s'agirait d'une tempête classique de décembre ou janvier avec des vents de 90 à 100 km/h à l'intérieur des terres, a indiqué au Figaro Jérôme Lecoux, prévisionniste chez Météo France. Animation du Nouvel An a annulé. La préfecture de Bretagne a appelé à la vigilance de samedi à lundi sur les côtes de la Manche sur son compte Twitter, et des animations du Nouvel An, notamment des baignades, ont déjà été annulées dans la région en raison des conditions météo. Vigilance météo jaune, vent violent et vague submersion. Météo a surveillé possible passage en vigilance au rang https://codidwpdix3j, préfet 29@pre-accent-aigu fait du Finistère. Un homme de 60 ans a été grièvement blessé, vendredi, lors du passage d'un coup de vent localisé à Sibiril, dans le nord du Finistère. Cet événement venteux très localisé, sur les communes de Cléder et Sibiril, a aussi fait de nombreux dégâts matériels. Des rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h sont attendues samedi, selon les préfectures du Finistère et du Morbihan. Dimanche, le vent se renforcera entre 70 et 90 km/h avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h dans le Finistère avant l'arrivée lundi de la tempête Carmen, pour laquelle sont prévues pluies soutenues et violentes rafales pouvant atteindre 110 km/h en Bretagne du Sud.